sur le site des Jeux Olympiques de Pékin. Là-bas au fond, on a la Tour des Flammes. Je ne me rappelle pas de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais c'est là-haut qu'ils ont fait bouler la flamme. Alors ça représente 5 clous, et ces 5 clous sont faits pour accrocher le dragon. Le dragon, bah, c'est le grand étang qui a été construit tout autour du stade en forme de dragon, pour le Feng Shui, uniquement pour le Feng Shui. Ça, c'est l'ancienne tour de retransmission de télévision. Il y avait 7 niveaux, il n'y en reste plus beaucoup, il en reste 5 et ça va être détruit parce que c'est délabré. Là, l'emblème maintenant de Pékin, le stade olympique, le Niboiseau. Cette grande rue fait à peu près 1 km de long. On a 45 minutes pour se promener et prendre des photos. Voilà, là on a l'image un peu plus claire. Hello. Voilà, là donc là on voit bien le dragon en bleu. Et là la petite demoiselle est toute contente parce que j'ai posé en photo avec elle. Ils aiment bien ça, poser en photo avec les étrangers. Là, c'est sûrement les mascottes des Jeux Olympiques. Il y a des grandes chances. Un stade. Alors, le stade se visite, mais pour une entrée supplémentaire. Pour la payer, pour visiter le stade, mais comme dit, ça vaut pas le coup, c'est des sièges et de la pelouse. Et là-bas, le grand immeuble en forme de flamme, il a été construit pour les Jeux Olympiques. C'est l'hôtel le plus luxueux de Pékin. Et aujourd'hui, c'est la moitié un hôtel et la moitié le siège social de la société IBM. Grande avenue piétonne. Moins difficile à marcher là-dessus que à marcher sur la grande muraille. Voilà, donc là on voit bien encore aussi que c'était pour les JO. Et pas loin on va tomber sur le stade pour la natation. Voilà, il suffit d'en parler. Et voilà, donc on a un stade. Le bassin olympique et le grand immeuble en forme de flamme. Les deux ensemble. Ça, si je me rappelle, c'est très beau quand ça s'allumait le soir. Je ne sais pas s'ils s'en servent, bon, celui-là bien sûr qu'ils s'en servent. Il y a du football tous les 4 matins sûrement. Et ça peut-être qu'ils s'en servent toujours pour la natation. On va arriver au bout du. On va pas faire le kilomètre en entier. Hein. Là on voit mieux l'immeuble en forme de flamme. Alors ça là c'est des écrans géants. J'ai déjà vu sur plusieurs. Des écrans géants, là il n'y a rien qui est diffusé, mais j'ai vu sur plusieurs autres. Ils diffusent un peu de pub, un peu de matchs de sport, un peu de tout. Comme je disais tout à l'heure, ici j'ai pas vu de grands panneaux publicitaires comme par chez nous. C'est plus soft, on n'est pas envahi par la pub. Je ne sais pas si on verra tout ça, on devrait aller voir à la cité interdite, évidemment ça c'est à Tiananmen, ça, avec la cité interdite pas loin je pense. On va aller voir la pagode là sur plusieurs étages. Le nid du daigle et puis machin on y est là, le nid d'oiseau. La muraille de Chine on l'a faite. Le palais d'été. Une grande place. Alors ils ont de la place, oui et non, parce que la ville fait quand même 400 km
de long sur 400 km de large. C'est déjà pas mal. Et ils ont je ne sais plus combien de millions d'habitants. Ça, je le rajouterai parce que je ne l'ai pas en tête. Alors, on arrive au bout de la place. Là, on voit bien la tour. Et on voit bien que c'est devenu la tour IBM. Par contre, le nom d'hôtel, ça ne l'est pas. Souvenir Beijing, Jeux Olympiques. Et voilà pour cette esplanade. On va retourner au lieu de rendez-vous avec le reste du groupe. Alors en attendant qu'il la détruise, cette tour-là, elle sert à afficher le décompte pour les prochains Jeux Olympiques. Beijing 2022. En 913 jours, 4 heures, 23 minutes. Il y a toute sa vie en dessous. Ça commencera les nouveaux Jeux Olympiques. Ce sera des Jeux Olympiques d'hiver cette fois-ci. Et ce sera la seule ville à avoir eu les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver. Alors à Pékin, comme il a dit, il fait très chaud maintenant. Hein. Donc il n'y a plus de neige, ou très peu. Donc ici aura lieu les Jeux en salle, sûrement hein, le patin à glace, ce genre de choses. Et tout le reste aura lieu ailleurs. On va faire un petit tour devant les petites dames qui courent avec la flamme. Et on rejoint le point de rendez-vous qui est tout de suite là, au pied de la tour. Donc les dames aux couleurs du drapeau. Ici on retombe sur les mascottes des jeux sûrement. La tour de la flamme, la tour de la télévision, le nid d'oiseau, l'hôtel de luxe, et on a fait le tour du parc olympique, du moins l'allée centrale du parc olympique. Voilà, donc moi je suis allé jusqu'au bout là. Jusqu'au G3, j'ai longé toute cette rue jusqu'à la tour de télévision là, et puis maintenant bah, on longe un petit peu là pour aller rejoindre le bus. Donc on a quitté la partie télévision au stade nid d'oiseau. Elle est moins animée cette partie là, il y a moins de choses. Donc autre vue du parc olympique. On va arriver au niveau du bassin, voilà.